Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous voici encore dans notre émission, il est venu libérer les captifs. Et là, nous sommes en train de parler sur un thème très alléchant, ils chasseront les démons. Ils, ce sont les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le mandat de chasser les démons selon Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Alors, bien-aimés, la fois passée, nous avons parlé sur quelques démons qui sont cités dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis nous avons parlé aussi de quelques démons qui ne sont pas cités dans la Bible, mais que nous avons rencontré dans l'exercice de notre ministère. C'est ce qui a fait que nous avons chuté en disant que les démons, ils sont vraiment innombrables, plusieurs sortes de démons, vraiment on ne saura pas tout dire. Alors aujourd'hui, nous commençons le chapitre 3, comment Jésus traitait-il les démons? C'est ce que nous avons promis, épinglé la fois passée. Bien-aimés dans le Seigneur, après que nous ayons une connaissance sur les démons, voyons maintenant à la lumière des Écritures comment notre Seigneur Jésus-Christ les traitait. Et comme nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, alors, agissons comme lui vis-à-vis des démons. Comment notre Seigneur traitait-il les démons? C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre visionnaire. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Si vraiment nous sommes les disciples de Jésus, alors nous sommes appelés d'agir comme notre maître. Je vais lire quelques passages et puis nous allons évoluer. D'abord, Marc chapitre 1, versets 21 à 28. La Bible dit, il s'est rendu à Capernaum, donc Jésus-Christ et ses disciples. Il s'est rendu à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant de la Galilée. Nous voyons déjà, nous avons une idée sur comment Jésus traitait les démons ici. D'abord, dès que les démons les voient, nous voyons qu'ils n'étaient pas dans le même camp. Comme je le disais toujours, que dans l'Ancien Testament, c'est un peu flou. C'est comme si Dieu et Satan et les démons sont ensemble. Mais ici, nous voyons une démarcation. Que les démons sont dans le royaume de Satan et les anges, Jésus, dans le royaume de Dieu.
il y a deux royaumes différents qui sont en bataille, en guerre. Dès que les démons ont vu Jésus, d'abord ils ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils ont reconnu que Jésus est venu les tourmenter pour eux, ils disent que c'est avant le temps. Donc ils savent qu'il y a un temps où ils seront envoyés en enfer. Et nous voyons que ces esprits parlaient dans un homme et Jésus a chassé ces esprits. Il a pris la prière d'autorité, il les a chassés. Jésus fut le premier chasseur les démons et nous devons l'imiter. L'ensemble des ministères de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a fait sur la terre, se trouve résumé dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38. Dans ce passage, Luc est en train de résumer le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ par ces mots. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, dans ce passage, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit dans la vie de Jésus rendait Jésus efficace dans des délivrances. Jésus allait partout, de lieu en lieu, la Bible dit, il faisait du bien. Il guérissait ce qui était sous l'empire du diable. Donc, il guérissait et il chassait les démons. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, là nous comprenons que Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner les péchés, nous donner la vie éternelle, mais il est aussi venu pour détruire les œuvres du diable, tel qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, à la partie B. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, nous comprenons par là comment est-ce que Jésus traitait les démons, il ne badinait pas. Pour les démons, il les délivrait, il chassait les démons, il détruisait leurs œuvres. Donc là dans Marc 1:21-28, nous voyons que Marc commence les récits du ministère public de Jésus avec un incident. Un démon le défie alors qu'il enseigne dans la synagogue de Galilée. Et cette confrontation répand immédiatement sa renommée à travers toute la région de Galilée. Donc, dès le matin, au début de son ministère, il y a un démon qui affronte Jésus et Jésus chasse les démons. Alors, bien aimé, à partir de ce moment, de ce moment-là, nous voyons Jésus chasser les démons quand il les rencontrait. Et c'est durant les 3 ans et demi de son ministère public, ne faisait que chasser les démons. Il a pris le problème des démons au sérieux. Et presque à la fin de cette période, le Seigneur Jésus envoya un message à Hérode, lui indiquant qu'il continuait à chasser les démons et à faire des guérisons jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Ça sont des propos que Jésus a envoyés, que les gens aillent dire à Hérode.
Luc chapitre 13, verset 32. La Bible dit, il leur répondit, allez et dites à Séréna, donc à Hérode, donc. Si vous lisez le verset 31, vous comprendrez qu'il s'agit d'Hérode. Il leur répondit, allez et dites à Séréna, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Donc, Jésus est en train de dire que je suis encore en train d'opérer. Il arrivera un moment où je vais partir. Dans Marc chapitre 1, verset 32 à 34, la Bible dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Dans Luc, chapitre 4, nous voyons toujours un Jésus qui chasse les démons, comme il a envoyé le message à Hérode. Je chasse encore les démons aujourd'hui, et demain encore, je vais encore chasser. Et jusqu'à ce que le temps de cesser de chasser les démons va venir. Luc 4, versets 40 et 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Les démons savait que Jésus était le Christ. Donc nous voyons comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ traitait les démons. Il ne badinait pas. Marc chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas les faire connaître. Donc là aussi, nous voyons Jésus dans la délivrance. Dans la délivrance. Au verset 10, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour les toucher. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est à remarquer dans tout ce que nous venons de lire que le Seigneur Jésus-Christ, il guérissait les malades et il chassait des démons. Des gens sont venus à Jésus cherchant la guérison de leur maladie. Mais pour beaucoup d'entre eux, de ceux qui sont venus chercher la guérison, nous voyons que Jésus a chassé les démons. Et après avoir chassé les démons, ils étaient guéris. Donc nous comprenons qu'il y a certaines maladies qui sont dues à la présence des démons. Donc apparemment, ces personnes ne réalisaient pas que certaines de leurs maladies étaient causées par les démons. C'est ainsi que le ministère des guérisons s'accompagne toujours de le fait de chasser les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des caractéristiques remarquables du ministère de Jésus, c'est que du début à la fin,
de son ministère, il n'a jamais fait de distinction entre guérir les maladies des gens et les délivrer des démons. Jésus n'a jamais fait de distinction. Il les faisait d'emblée, ensemble. Donc, le processus est identique pour son ministère de prédication. Marc chapitre 1, verset 39, la Bible dit: et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Donc, ses prêches, ses prédications s'accompagnaient souvent du ministère des guérisons. Donc, nous voyons dans les évangiles que chasser les démons faisait partie intégrante du ministère des prédications de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus prêchait, très souvent, il chitait dans des délivrances. Et même parmi les gens qui le suivaient partout où il partait, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui avaient été délivrées des esprits impies. On parle même de Marie, de Magdala, avec lesquelles on a chassé plusieurs démons, je crois 7 démons. Lisons Luc chapitre 8, verset 2. La Bible dit ceci: les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc, nous voyons que il y a comme guérison et chasser les démons, c'était comme une seule chose dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas les séparer. Donc, délivrer les gens des démons était à la fois la confirmation et la mise en pratique du message qu'il prêchait. C'est pour cela que très souvent, quand nous prêchons le salut, après avoir parlé du péché, nous devons chuter aussi aux délivrances. C'est très important. Donc, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, si nous pouvons le résumer au travers les évangiles, on peut dire que c'était un ministère à 3 angles triangulaires. Il y a 3 axes dans le ministère de Jésus. Il y a la prédication, l'enseignement et le combat spirituel. C'est dans le combat spirituel que nous avons les délivrances, les guérisons, les miracles et tout ça. Donc, le ministère de Jésus respectait ces 3 éléments. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, nous voyons ici les 3 pôles, ou les 3 angles, ou les 3 axes du ministère de Jésus en Galilée. Premièrement, la Bible dit, il enseignait dans les synagogues. Et deuxièmement, la Bible dit qu'il prêchait la bonne nouvelle. Et troisièmement, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Dans l'enseignement, on transmet la connaissance. Dans la prédication, on soulève la foi en Jésus. On attire les gens de faire confiance en Jésus et on demande aux gens de laisser la vie des péchés. Ça, c'est la prédication. Mais dans l'enseignement, il en donne la connaissance. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a utilisé des paraboles. Le royaume de Dieu est comme. Tout ça, il voulait faire comprendre
comment est le royaume de Dieu. Il partait des réalités connues pour expliquer des réalités non connues. Mais dans la prédication, il dit « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle », tout ça. Donc, repentance, foi dans la prédication. Et venez maintenant l'étape des combats spirituels, des délivrances. Donc, nos ministères aussi devaient ressembler au ministère de Jésus. Ce qui est étonnant, il y a des églises où il n'y a qu'enseignement, enseignement, enseignement, on ne prêche pas. C'est ce qui fait que je suis allé prêcher dans une église d'un prophète comme ça. Après avoir prêché, quand j'ai lancé l'appel, qu'ils vont recevoir Jésus. En tout cas, 98% déjà étaient debout. Donc les gens ne venaient que pour des prophéties sans Jésus. Et il y a un de mes fils, qui, le pasteur Hippole, était allé prêcher dans une église de délivrance. En fait, là, dans cette église, à chaque jour, c'est la délivrance. On lui a demandé, on lui a donné 3 jours de faire des délivrances. Alors, il a dit que le premier jour, il a parlé sur la délivrance, sur le péché. Et presque tout le monde a reconnu qu'il était pécheur. Et dans les bureaux, le pasteur même a accepté Jésus. On l'a fait accepter Jésus. Imaginez-vous une église où dès que quelqu'un arrive aujourd'hui directement, non, bien-aimé dans le Seigneur. La prédication a sa place dans une église, l'enseignement a sa place aussi, la délivrance aussi a sa place. Il y a des gens qui ont fait dans une église 5 ans, 10 ans, mais avec son démon. Il entre avec son démon et il rentre. Même le démon adore avec lui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et il y a des ceux qui ont fait l'église longtemps avec son péché. Et les autres sont dans l'église, mais ils n'ont aucune connaissance. Ils restent des bébés éternels. C'est pour cela que l'église doit être vraiment équilibrée. On ne doit pas mettre trop d'accent à l'un, négliger les autres, non. Mais malheureusement, dans nos églises, la délivrance est trop négligée. Trop négligée. Dans les églises où on tient compte de la délivrance, peut-être c'est l'enseignement qui est négligé. Ou c'est la prédication qui est négligée. Donc, bien-aimés, nous devons imiter notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le ministère de Jésus ne devait pas s'arrêter après sa mort. Raison pour laquelle, déjà, il préparait ses disciples à faire comme lui. Pendant qu'il était là, ils ont fait les stages. Dans Matthieu chapitre 10, il a envoyé d'abord les douze pour aller faire les stages, pour aller chasser les démons. Dans Luc 10, au verset 19, là, il augmente l'effectif. C'est maintenant 72. Il a dit qu'ils ont chassé les démons. Et arrivé à la fin de son ministère, avant de son ascension, maintenant il dit que tout celui qui va croire en lui peut chasser les démons. Donc nous voyons quand il a commencé d'abord avec une équipe restreinte, les 12 disciples, qui sont les 12 apôtres. Matthieu chapitre 10, au premier verset. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le Seigneur Jésus tentait de préparer son départ. Luc chapitre 10, verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Voici, ici c'est 70, si je peux commencer au verset 17. Les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur,
les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, les serpents, les scorpions symbolisent les différentes puissances démoniaques. Mais le Seigneur Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur, de les dominer, de les chasser. Et même il dit que quand nous les chassons, n'ayons pas peur, parce que rien ne va nous nuire. Rien. Même si les démons font des tracas, il dit que attends, je vais te tuer. Ça, c'est le mensonge. Rien ne va nous nuire. Alors, vers la fin, quand il devait rentrer auprès de son père, il dit que maintenant, tout celui qui va croire en lui peut chasser les démons. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Première des choses, ils chasseront les démons. Les restes viennent après. Deux, ils parleront de nouvelles langues. Trois, ils saisiront des serpents. Donc, les serpents là symbolisent des puissances démoniaques. Quatre, s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Cinq, ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces cinq choses ne sont pas données seulement aux pasteurs, ni aux évangélistes seulement, ni aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs de la parole, mais à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Donc si tu me suis, si tu as cru en Jésus, tu peux chasser un démon. Une fois j'avais prêché ça à l'église, et j'ai dit à l'église que tout le monde peut chasser les démons si vous avez Jésus-Christ dans votre vie et vous savez que vous marchez correctement. Ce n'est pas seulement vous venez au pasteur pour qu'il chasse les démons de votre enfant. Vous-même, vous pouvez chasser. Alors un jour, une maman qui était en train de cuisiner, l'enfant jouait et soudain, l'enfant a appliqué un cri, une crise. Il a poussé un cri, l'enfant est tombé, les yeux se sont renversés. La maman, au lieu de vite courir à l'hôpital, il a fait descendre d'abord la marmite au feu. Il ferme les réchauds. Il prend l'enfant, il entre avec dans la maison. Il a commencé à chasser. Et l'esprit des morts a commencé à se manifester. Il a chassé, l'esprit est parti. La maman est venue me dire, pasteur, j'ai chassé l'esprit des morts. Je dis que waouh, félicitations. Bien-aimé, si vraiment vous êtes un chrétien digne de son nom, sachez que vous pouvez chasser les mauvais esprits. C'est bien dit clairement, voici les miracles. Ce sont des choses qui vont accompagner ceux qui croient en Jésus. Premièrement, ils chasseront les démons. Cinquièmement, ils imposeraient les mains aux malades. Et les malades seront guéri. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez bien dans les évangiles, il n'avait jamais envoyé personne prêcher l'évangile sans l'instruire et le préparer pour combattre les démons tout comme lui l'avait fait. Chaque fois, quand il envoyait les gens prêcher, il les formait aussi à la délivrance. Voyons ce que les Écrits nous disent. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. La Bible dit ceci. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux
et proches. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Il les envoie prêcher, mais il les instruit aussi pour chasser les démons. Dans Luc chapitre 10, verset 1er et verset 8 à 9. Verset 1er de Luc chapitre 10. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 8, c'est Jésus qui parle. Dans quelques villes que vous entriez et où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Donc, chaque fois quand il envoyait quelqu'un prêcher, il l'instruisait et le préparait à combattre les démons. Et nous continuons dans le même chapitre de Luc 10, versets 17 à 20. La Bible dit ceci. Les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il y a des choses que je vais toucher bien après, parce que chasser les démons n'est pas une garantie que vous irez au ciel. Il y a des chasseurs les démons qui iront en enfer. C'est pour ça que Jésus dit qu'avant tout, il faut que votre nom soit d'abord écrit dans les livres. Ici, les apôtres étaient partis en stage. Pas seulement les apôtres, mais les 70. 70, dans d'autres versions, on dit 72. Ils étaient partis en stage de prêcher et de faire les combats spirituels. En rentrant, ils sont venus faire les rapports. Ils ont dit que les démons nous ont soumis même à ton nom. C'était une joie. Jésus dit que réjouissez-vous d'abord parce que vos noms sont dans le livre de vie. Vous comprenez qu'ici, même Judas était parmi les gens qui sont venus donner les rapports. Bien-aimés, raison pour laquelle vous devez savoir que Satan, il travaille pour que les chrétiens restent ignorants de cette vérité et que ceux qui ont l'information, il veut qu'ils aient la peur d'exercer leur pouvoir. Voilà ce que Satan veut. Il veut que vous restiez ignorants. Mais si vous avez la connaissance, il vous intimide. Il vous donne la peur. Si tu chasses les démons, ils vont t'attaquer. Attention, bien-aimé. Quelqu'un nous disait, vous entrez dans les histoires des combats spirituels. Au lieu de laisser les démons calmes, vous les provoquez. Mais vous aurez de sérieux problèmes, bien-aimé. Je vous dis que les démons que vous vous occupez d'eux, que vous ne vous occupez pas d'eux, sachez qu'ils vous s'occupent de vous. Donc, autant mieux s'occuper d'eux pour qu'ils partent. Le Seigneur Jésus lui-même était très content dans sa façon de traiter les démons.
il dit, voilà ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Il dit ceci, Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, il était très content de la façon dont il traitait les démons. Il était aussi content de donner ses pouvoirs à ses disciples et de les voir faire comme lui. Au verset 27 du même chapitre, il dit que vos fils, eux aussi, ils font ça. La Bible dit, Matthieu 12, verset 27. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc le Seigneur Jésus, non seulement il était content d'exercer le ministère de délivrance, mais il était aussi content quand les disciples chassaient les démons. Et même jusqu'aujourd'hui, il est content quand nous chassons les démons. Marc chapitre 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Il, là, vous voyez, ce sont les disciples de Jésus. Il chassait beaucoup de démons et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alors, nous avons vu là-bas dans Luc 10, 17, comment Jésus a donné pouvoir aux 72. Bien-aimés, le mot chrétien veut dire comme Christ. Si nous sommes vraiment des disciples de Christ, alors agissons comme Christ. Faisons ces trois choses que le Seigneur Jésus prêchons, enseignons et combattons spirituellement. C'est très important. Bien-aimés, le fait de chasser les démons, ça a révélé deux vérités spirituelles importantes. Tout d'abord, l'existence de deux royaumes spirituels opposés. Donc, d'une part, il est le royaume de Dieu, et d'autre part, il est le royaume de Satan. Les deux royaumes sont en guerre continue. Deuxième des choses, le fait de chasser les démons, c'est aussi la preuve de la victoire du royaume de Dieu sur celui de Satan. Donc, ça symbolise que nous sommes de plus que vainqueurs. Nous appartenons dans le royaume des vainqueurs. Satan, lui, il préfère taire ces deux vérités. Que les gens ne sachent pas que les deux royaumes sont en opposition, sont en bataille. Il veut que les gens puissent confondre que nous sommes dans une même moule. Non, il y a deux royaumes séparés et opposés. Et aussi savoir que le royaume de Dieu est victorieux devant le royaume de Satan. Satan, lui, il préfère taire ces deux vérités. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, je vais lire un dernier passage. Nous tendons vers la fin de notre émission. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ici, il y a continuité du ministère. Luc, quand il écrit ici, alors il s'adresse à Théophile, il lui explique que Jésus, au chapitre 1, verset 1, il a commencé.
d'enseigner. Jésus a commencé, c'est qu'il a commencé de faire et d'enseigner. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était des guérisons, c'était des délivrances, des impositions des mains, chasser les démons. Jésus a commencé de faire et d'enseigner et de prêcher. Et puis, il est allé auprès du Père. Au verset 2, on dit qu'il a donné le Saint-Esprit pour que les disciples fassent quoi? Continue. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. Est-ce que vraiment nous continuons le ministère de Jésus tel qu'il le faisait? Est-ce que nous respectons les trois axes? Prédication, enseignement, combat spirituel. Bien-aimé, il y a des grands qui commencent à disparaître. Les chasseurs de démons deviennent de plus en plus un nombre réduit. Bien-aimé, des fois ça m'écœure. Il y a des gens qui sont hors de notre ville. Les autres sont dans des communes lointaines qui nous appellent parce que nous avons suivi votre enseignement, mais nous avons besoin de la délivrance. Quand vous regardez la distance, vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas une église évangélique ou non? Je suis chrétien, j'ai prié dans mon église, on ne chasse pas les démons. J'ai vu mon pasteur, il a dit que non, vous avez des traumatismes, ne t'en fais pas, ça va finir. Et notre, son pasteur lui dit que non, marche seulement dans la crainte de Dieu et sois une femme de foi. Mais la personne est dérangée par les démons. C'est grave. Il y a une autre personne qui nous a appelé de très loin. Alors, il y a son enfant qui voyait les démons. Il voyait les démons, il l'amène chez son pasteur. Le pasteur lui gronde, il dit, mais comment toi tu dois l'amener ici? Va vite à l'hôpital. Le pasteur lui donne les transports pour aller à l'hôpital. Et la maman savait que c'était les démons. Ce n'était pas un problème de l'hôpital. Alors, il est rentré à la maison, il m'a appelé. Pasteur, regarde le problème. J'ai prié par le téléphone. Et la personne a été délivrée. Délivrée, guérie. Et ses esprits-là étaient partis. Mais regarde la maman qui apporte quelqu'un qui a des problèmes comme ça, on lui donne l'argent pour aller à l'hôpital. Bien-aimé, imitons notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Là, je m'adresse plus aux serviteurs de Dieu que nous sommes, à mes collègues. Chers collègues, beaucoup de nos fidèles ont des problèmes dits aux démons. Beaucoup. Alors, si vous négligez le ministère de combat spirituel dans votre église, vous rendez un très mauvais service à vos fidèles. Ne laissez pas seulement les intercesseurs faire ce travail. Pasteur, impliquez-vous dans les délivrances. Certaines personnes, leur maladie ont fait longtemps, ils changent de médecin, ils s'appauvrissent financièrement, matériellement. Il n'y a pas de guérison. Le problème, c'est quoi? Ce sont des maladies démoniaques. Vous voyez cette femme de Marc 5 qui a tout dépensé entre les mains de médecins. Mais cette fois-là, ce n'était pas un médecin qui l'a guéri. Il a dit que si je puis toucher seulement les pans des vêtements de Jésus, je serai guéri. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a des maladies qui ne trouveront pas de guérison dans des hôpitaux. Ça demande que vous, pasteur, que vous puissiez vous impliquer, chasser ces esprits. Il y a ce qu'on appelle esprit d'infirmité qui apporte des maladies. Ces esprits peuvent apporter même la toux, même le rhume, des grippes.
et des maladies compliquées. C'est comme ça que dans des moments de prière, de délivrance, il y a des coîtres qui disparaissent. Il y a des myomes qui disparaissent, des appendices qui disparaissent. Pourquoi est-ce que ça disparaît? Parce que ce n'était pas des maladies normales. C'était dit aux démons. Aux démons. Bien-aimés, beaucoup de vos pasteurs, beaucoup de vos collaborateurs ont des problèmes. Bien-aimés, alors c'est pour cela, des fois, il y a des fidèles qui vont dans la cachette chercher des délivrances en dehors et après ils retournent. Alors, certaines personnes disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ce sont des détails que je vais entrer plus tard. Mais, bien aimé, sachez que un chrétien qui a ouvert des portes, les esprits mauvais peuvent entrer. Si tu as ouvert des portes, les esprits mauvais peuvent entrer. C'est comme ça que dans nos églises, nous délivrons les fidèles. Il vient à l'église, sert le Seigneur. Peut-être il chante, le protocole, intercesseur même. Mais il a ouvert la porte. Une fois nous étions en retraite, on a jeûné pendant 3 jours à sec. Et quand on s'apprêtait, on s'est lavé pour aller au lieu où le culte de délivrance devait s'opérer. Il y a une sœur qui repassait, on ne sait pas quelle distraction il avait fait. Il a ouvert la porte. Un démon est entré. Et elle venait de la retraite. Quand on faisait la prière, après avoir ouvert le jeûne, on a pris les bouillies, tout ça. Alors pour aller au lieu de la prière, quand on faisait la prière, une sœur a donné la parole de connaissance que telle sœur est attaquée et un démon vient d'entrer chez elle. On a mis la sœur au milieu. Quand on a commencé à prier, le démon dit, à peine seulement que je viens d'entrer, vous me chassez déjà. J'ai fait autant de jours, j'ai cherché les corps. Vous savez, les démons ne sont pas à l'aise quand ils sont dans la nature. Ils aiment être dans les corps humains et le deuxième choix dans les corps des animaux. Alors on a fini par chasser ces démons. Une sœur intercesseur. Donc, bien aimé, lorsqu'un enfant de Dieu a ouvert la porte, alors les démons peut entrer. Quelqu'un qui est devenu chrétien, mais avant de devenir chrétien, il était déjà possédé. Bien-aimé, s'il ne passe pas la délivrance, il va rester chrétien possédé. Il va rester chrétien possédé. C'est pour cela, beaucoup de chrétiens, lorsqu'on fait des séances de délivrance, la plupart de ceux qui dont les démons se manifestent, ce sont beaucoup de nouveaux venus, de nouveaux chrétiens. Les gens qui viennent nouvellement de recevoir Jésus. Parce que lorsqu'on fait l'évangélisation, l'objectif, ce n'est pas d'abord chasser les démons, on fait recevoir les gens, le Seigneur Jésus. Mais lors des prières, des délivrances, chez nous, c'est chaque vendredi, nous faisons des prières de délivrance. Alors vous verrez que souvent, beaucoup de gens nouvellement convertis, pas tous, mais beaucoup parmi eux, sont possédés et ils passent par la délivrance. Et après la délivrance, vous sentez aussi que la vie de la personne change aussi. C'est pour cela, bien-aimés, dans l'église où on ne fait pas de délivrance, il y a des chrétiens, c'est vrai, des chrétiens nés de nouveau, mais avec leurs démons. Avec leurs démons. Il faut les délivrer. Chers pasteurs, nous lisons bien la Bible. Qu'est-ce que nous lisons dans Luc chapitre 8? Parmi les femmes qui suivaient Jésus, la Bible dit même que
des gens qui étaient délivrés des esprits mauvais. Que ton église soit des personnes délivrées. Ils étaient venus posséder, mais vous les avez délivrés et ils servent là dans votre église. Ils sont des piliers, comme les gens qui soutenaient le ministère de Jésus. C'était des femmes délivrées. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Nous avons besoin de vos prières, car le travail que nous faisons, vous savez, nous affrontons le diable. Et intercéder pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas un péché. Jésus a demandé à Pierre, Jacques et Jean de soutenir dans la prière, dans plusieurs passages, l'apôtre Paul. Tantôt il dit « Priez pour nous », tantôt il dit « Priez pour moi ». Donc il avait besoin de soutien. Tout comme je vous demande de nous soutenir dans vos prières, parce que nous savons que nous sommes dans les collimateurs du diable, mais nous n'avons pas peur, car celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous demandons que vous puissiez prier pour nous, prier aussi pour notre ingénieur Christian qui fait le travail avec nous, parce que moi seul, je ne saurais pas vous atteindre. Besoin de conseils, besoin de prières, notre numéro est là. Vous pouvez nous appeler et nous allons vous écouter personnellement et voir dans la mesure du possible comment satisfaire à vos besoins. Ne manquez pas d'aimer, de liker la page et surtout ne manquez pas de partager. Peut-être il y a des gens bien-aimés qui sont ignorants de toutes ces choses. Et surtout partager auprès de mes collègues serviteurs de Dieu, parce que le diable veut les cacher cette information. Il veut qu'ils restent ignorants. Envoyez auprès des serviteurs de Dieu, auprès des ministres de Dieu et auprès des enfants de Dieu, parce que tout chrétien est appelé à chasser les démons. Voilà. Bien-aimés, prochainement, nous allons parler sur les modèles de l'évangélisation du Nouveau Testament. Nous allons plus rester voir comment l'Église primitive fonctionnait en rapport avec les démons. Comment est-ce que la première Église traitait les démons? Et c'est ce qui fera alors, vous savez qu'une très bonne Église, c'est une Église qui a comme référence l'Église des Actes des Apôtres. Prochainement, nous allons beaucoup plus rester dans les Actes des Apôtres, parce que certains théologiens ont voulu que ça soit même appelé les Actes du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Or, le Saint-Esprit ne s'est pas limité aux apôtres, et jusqu'aujourd'hui, il peut aussi agir en nous. C'est pour cela, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine séance. Quant à moi, votre pasteur, votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma, je suis pasteur dans l'église Centre Évangélique, le Sanctuaire, qui est une des églises de la communauté des assemblées de Dieu. Dans certains pays, on dit tout simplement Assemblée de Dieu. AG, Assembly of God, AD, Assemblée de Dieu. AG pour les pays anglophones, AD pour les pays francophones. À nous revoir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.